compagnie d'intervention dirigée par le colonel Abdelali Ibrahim et suivie par la brigade cinéphile, qui a été donc récemment créée par la police nationale, une brigade qui a une des formations spécialisées, une formation dispensée par le Soudan, notre délégation s'est déplacée à Djibouti, mais les éléments aussi de la police nationale sont partis au Soudan pour avoir cette formation spécialisée. La brigade cinéphile intervient, comme vous le savez, grâce à leur chef, au chef policier, comme on le dit, pour détecter des marchandises illicites telles que les drogues, ou bien détecter également des bombes ou des engins explosifs qui seraient donc laissés quelque part pour exploser. Cela a été démontré à travers cette brigade cinéphile lors de l'anniversaire de la police nationale qui s'est tenue à l'académie de la police Idriss Farah Abdallah. L'unité spéciale d'intervention sur vos écrans maintenant, l'unité d'intervention spéciale commandée donc par le capitaine Elmi Daher Negib. Cette unité constitue le fleuron donc de la police nationale et le fer de lance contre le terrorisme. Une unité spéciale d'intervention qui a donc une formation bien spécifique sur les méthodes de maîtrise de maîtrise et d'intervention en cas de risque terroriste. C'est un élément donc très mobile et sa mission très variée depuis la protection de hautes personnalités nationales et étrangères au cours de déplacement en République de Djibouti. Donc cette unité spéciale, comme je le disais tantôt, a également démontré au cours d'une démonstration lors du dernier anniversaire de la police nationale comment elle mettait en œuvre justement son savoir-faire pour non seulement maîtriser des terroristes, mais aussi des preneurs d'otages et libérer de hautes personnalités. Les unités de la garde républicaine.
Par le directeur de DCMAT, la direction centrale du matériel de l'armée de terre, le lieutenant-colonel Ahmed Youssouf Balla. Le défilé autorisé de la garde républicaine, comme vous le savez, la garde républicaine a été créée en 2002. Elle est chargée de la protection des institutions et assure les prestations d'honneur. La garde républicaine, depuis 2002, n'a cessé d'augmenter ses prestations, aussi bien sur le plan militaire que civil. Elle assure également à ses éléments de formation très spécialisée, aussi bien à l'intérieur du pays par des formateurs étrangers qu'à travers le déplacement des éléments de la garde républicaine à l'étranger. Troupes motorisées de la garde républicaine sont donc suivies, comme vous le voyez sur ces images, par la gendarmerie nationale, les unités mobiles de la gendarmerie nationale, qui s'occupe non seulement de la sécurité comme il est sa mission principale, mais aussi de la circulation routière. Elle dispose d'unités d'intervention dans le domaine de la sécurité routière. C'est la témoigne à travers. Elle est surtout présente hors de la capitale, donc à l'intérieur de la capitale, la circulation étant assurée par les éléments de circulation de la police nationale. Concernant la sécurité routière, la gendarmerie dispose donc de trois brigades de sécurité routière.